Bene data bakundwa turabasuhuza mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Aturi ni kitoro Betel Iremera mu Giporoso. Nkuko mubizi turi kunyura mu bihe byihariye aho tutakibasha guterana nkuko byari bisanzwe bimenyerewe kubera icyorezo cya coronavirus cyugarije isi. Ariko hamwe nibyo tubafitiye inkuru nziza yuko muzajya mukurikirana ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana Apostle Dr. François Nkurunziza kuri channel yacu ya YouTube r.betel.tv nkuko mubibona hano kuri screen. Amahoro y'Imana abane namwe. Ce dimanche 22 mars 2020, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de nous tenir devant sa présence avec son peuple. Dans un contexte mondial qui n'est pas facile. Aho isi iri guca mu bihe bidasanzwe. Mais nous savons que bien que dans le monde rien ne soit permanent, ariko turabizi ko nubwo muri iyi si nta kintu gihoraho iteka, c'est une succession d'événements, ahubwo hahoraho uruhererekane rw'ibintu. Comme quelqu'un avait dit que tout est changement à part une chose, le changement lui-même. Nkuko hari umuntu wavuze ko buri bintu byose bihinduka keretse guhinduka ubwabyo nibyo bidahinduka. Ça veut dire dans le monde, no kuvuga ngo mwisi, rien n'est permanent. Nta kintu gihoraho iteka ryose. Sauf une seule chose qui s'appelle changement. Keretse ikintu kimwe gusa cyitwa impinduka. Donc les événements se suivent et se succèdent. Rero ibintu birakurikirana bigahererekana. Mais j'aimerais souligner qu'il y a une chose au-delà de ce qui se passe dans le monde qui ne change jamais. Ariko ndashaka guca umurongo ko hari ikintu kidahinduka na rimwe. C'est Dieu et sa parole. N'Imana n'ijambo ryayo. Dieu en lui, il n'y a aucune ombre de variation, nous dit l'apôtre Jacques. Imana muri yo ngo nta gicucu cyo guhinduka niko intumwa Yakobo ivuga. Et la Bible nous dit dans Hébreux que Jésus-Christ est le même. Kandi Bibiliya katubwira mu Baheburayo ko Yesu ari wa wundi nyine. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ejo hashize uyu munsi n'iteka ryose. Alors ce dimanche 22 mars 2020, iki cyumweru cya tariki 22 z'ukwa gatatu 2020, nous avons un message que Dieu nous a donné à l'endroit non seulement de son peuple, mais de tout un chacun. Mais avant tout, nous aimerions donner nos salutations fraternelles et cordiales à toute l'Église de Dieu, à commencer par l'Église Bethel, ainsi que toutes les églises dans le monde entier qui sont en Jésus-Christ. Ariko kandi turashaka guha intasho itorero ryose rya Betel ndetse n'itorero ryose ku isi riri muri Yesu Kristo. Mais aussi j'aimerais souligner que ce message est un message, ariko kandi ndashaka guca umurongo ko ubu butumwa ari ubutumwa, qui dépasse le cadre du cercle des croyants. Burenze urwego rw'abizera gusa. C'est un message qui s'adresse ou qui va s'adresser aux chrétiens. N'ubutumwa yego bugenewe abakristo, mais aussi ceux qui sont des autres croyances. Ariko kandi n'abantu bafite imyizerere yindi itandukanye. Mais aussi au-delà de ceux qui croient, ce message s'adresse aussi même à ceux qui sont appelés agnostiques et même ceux qui s'appellent athées. Ariko kandi ubu butumwa bugenewe
n'abataraba Kristo gusa ahubwo nabo twavuga ko bari mu rwego rw'abatizera. Les agnostiques ce ne sont pas des athées, ce sont des gens qui pensent que Dieu c'est une notion qui est inaccessible, personne ne peut accéder à la compréhension de ce qu'est Dieu. Urwo rwego rw'abantu bitwa agnostique n'abantu badabasha bavuga yuko Imana idashobora kumvwa, idashobora kumenywa. Pour eux, l'absolu est inaccessible. Kubgabo iyo mana ntishikirwa. Donc il ne nie pas et il ne confirme pas. Rero n'abantu badahakana ariko batanizera batanabyemeza. Ça veut dire il ne confirme pas et n'infirme pas la réalité de Dieu ou l'existence de Dieu. Ni ukuvuga ngo n'abantu batemeza cyangwa badahakana kubaho kw'Imana. Donc ils sont différents des athées. Rero bo batandukanye n'abariya bavuga ko Imana itabaho. Un athée, il dit carrément que Dieu n'existe pas. Umuntu utizera Imana we aravuga ati ntabwo ibaho. Lui ne croit qu'en la matière. We gusa yizera ibyo abonesha amaso. Alors notre message s'adresse à toute cette catégorie de gens qui sont dans le monde. Rero ubutumwa bw'uyu munsi bugenewe abo izo nzego eshatu zose z'abantu bari muri yisi. Pourquoi ce message de ce dimanche 22 mars 2020 est un message adressé à tout le monde? Ese nukubera iki buno butumwa bw'itariki 22 z'ukwa gatatu 2020 ari ubutumwa bwa buri bantu bose? C'est parce que nous faisons face sans exception à un ennemi commun. Nuko isi yose ihanganye n'umwanzi umwe ihuriyeho. Cet ennemi commun n'est autre chose que le coronavirus. Kandi uwo mwanzi nta wundi ni coronavirus. Cet ennemi réduit le monde entier à un seul et même dénominateur commun. Kandi uwo mwanzi atuma isi yose ijya mu byago bimwe. Ça veut dire attraper ce virus. Ni ukuvuga ngo kwandura iyo virusi qui ne différencie pas. Ida tarobanura abantu ou bien être protégé contre ce virus. Cyangwa se idashobora kurindwa. Ça veut dire que ceux qui guettent un Européen guettent en même temps l'Africain ou l'Asiatique. Nous kuvuga ngo igishakisha umunyaburayi kirashaka muri uwo mwanya nyine n'umunyafrika ndetse n'umunyazia. Ça veut dire que l'humanité entière est confrontée à une même épreuve ou un même défi. Nous kuvuga ngo inyoko muntu yose ihanganye n'igihinyuza kimwe. Comme on dit, aux problèmes globaux, il faut des solutions globales. Nkuko bavuga ngo ibibazo bireba isi yose bikenewe n'umuti ureba isi yose. Puisque l'ennemi est commun, rero kuko umwanzi duhuriyeho ari umwe, et que tous étant de la race humaine, nos réactions sont pareilles. Kandi twese nk'inyoko muntu uburyo tubyitwaramo ari bumwe. L'homme a toujours peur en face de la mort. Umuntu ahora afite ubwoba iyo urupfu rumuri imbere. Et en suivant les informations jour pour jour, kandi uko dukurikira amakuru umunsi ku munsi, nous rendons compte que ce coronavirus fait des ravages dans différentes parties du monde. Turabona ko iki cyorezo cya coronavirus kirimo kirateza akaga hirya no hino ku isi. Mais nous saluons les efforts qui sont consentis, les moyens qui sont déployés par les autorités de différentes nations pour essayer d'endiguer ce fléau. Ariko kandi turashima imbaraga ndetse n'imbaraga ubuyobozi bukoresha hirya no hino ku isi kugira ngo bagerageze kurandura kino cyorezo. Mais nous savons que c'est une épreuve de grande envergure. Ariko kandi tuzi neza ko iki ari ikigeragezo
kigari cyane. Voilà pourquoi ce message vient dans un contexte où chaque être humain a besoin d'un message d'encouragement. Niyo mpamvu ubutumwa buje mu gihe aho buri kiremwa muntu cyose gikeneye ubutumwa butera ishyaka. C'est un message transfrontalier. Donc kuvuga ngo ni ubutumwa burenga imipaka. Et je pense que à travers la technologie, kandi ndizera ko biciye mu ikoranabuhanga, ce message Dieu va le guider pour qu'il puisse atteindre le maximum de monde à travers le monde. Ubu butumwa Imana iribuze kubuyobora kugira ngo bugere ku bantu benshi bashoboka ku isi. Alors j'invite nos téléspectateurs rero ndakangurira abantu bose badukurikiye à ce que nous puissions nous incliner devant le Dieu de l'univers kugira ngo tubashe guca bugufi imbere y'Imana yaremye isanzure afin de lui demander que sa grâce soit avec nous tout au long de la délivrance de ce message kugira ngo ubuntu bwayo bubane natwe igihe turi bube tubagezaho buno butumwa. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant ta présence pour te dire merci pour ta grâce surabondante que tu nous as donné à travers ton Fils unique Jésus. La Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu n'a pas répondu à nos péchés, à la dimension de nos péchés, mais il est allé au-delà. Imana ntabwo yasubije ikibazo cy'icyaha cyacu gusa ahubwo yakoze n'ibisaga. C'est ce que Paul écrit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nibyo Paul yavuze ngo aho icyaha cyaje ubuntu bwarasaze bwo. Seigneur, nous disons merci pour ton amour infaillible. Rero mwami turavuze ngo urakoze kubw'urukundo rwawe rudashidikanywaho. Dans des temps comme ceci, où le monde est dans la panique, où les peuples se découragent, où nous assistons à des confinements de villes entières, et des personnes mises en quarantaine, là où le lendemain devient hypothétique, là où le lendemain devient hypothétique, nous savons que tu es vivant. Turabizi ko uri muzima. Tu ne changes jamais. Ko utajya uhinduka. Ta parole est vivante aujourd'hui. Ko ijambo ryawe ririzima uyu munsi. Elle est toujours efficace. Kandi rihora rifite imbaraga. Pour accomplir ce que tu as voulu qu'elle accomplisse. Kugira ngo risohoze icyo washatse ko risohoza. Seigneur, nous te demandons de répandre aujourd'hui. Mwami turasenze ngo usuke uyu munsi. Ta consolation dans les cœurs de ceux qui habitent la terre. Ihumure mu mitima y'abatuye isi. Parce que ce moment, c'est un moment où l'homme a besoin de consolation. Kuko turi mu bihe aho umwana w'umuntu akeneye ihumure. La Bible te révèle comme le Dieu de consolation. Bibiliya iguhishura nk'Imana y'ihumure. Répand un esprit de consolation aux quatre coins de la terre. Suka umwuka w'ihumure ku mpande nye z'isi. Et aussi étant en main pour arrêter ce fléau. Kandi urambura ikiganza cyawe kugira ngo uhagarike iki cyago. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Kuko uri Imana ishobora byose. Nous prions Seigneur. Turagusenze mwami. Pour que tu guérisses ceux qui sont déjà atteints. Kugira ngo ukize abamaze kwandura. Et que tu protèges ceux qui sont encore sains. Kandi urinde n'abakiri bazima. Et nous commandons. Kandi turategeka. À ce virus d'être anéanti maintenant, kugira ngo itsindwe nonaha, d'être mis hors d'état de nuire, kugira ngo ntiyongere akwanduza abantu nonaha, au nom de Jésus, mu izina rya Yesu, et que l'humanité retrouve son calme, kandi inyokomuntu yose yongere ibone ituze. Nous proclamons la santé au nom de Jésus, turatuye ubuzima buzira umuze mu izina rya Yesu, à tous les hommes,
kubantu bose au nom de Jésus mwizina rya Yesu merci aussi de protéger la foi et l'espérance des chrétiens urakoze kandi kubwo kurinda kwizera n'ibyiringiro by'abakristo merci d'être avec ceux qui déploient tous les efforts pour endiguer cette crise urakoze kandi kubana n'abakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo barandure iki cyorezo au quatre coins de la terre mu mpande enye z'isi au nom de Jésus mwizina rya Yesu bénis ce message Seigneur aha umugisha ubu butumwa mwami amen amen aujourd'hui je vous inviterai de vous pencher avec moi dans le dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse uyu munsi ndabahamagarira gufungura igitabo cy'anyuma cya Bibiliya aricyo ibyahishuwe Yohana mais j'aimerais dire un mot sur ce dernier livre de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse de Jean nashakaga kubabwira ijambo rimwe kubijyanye n'iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana je sais que la plupart de gens craignent ce livre. Ndabizi ko abantu benshi bagirira ubwoba kino gitabo. Pour les uns, ils n'osent pas l'ouvrir. Kuri bamwe ntibanatinyuka no kugifungura. Et les autres disent que quand ils lisent, ils ne comprennent rien. Kubandi baravuga ngo iyo ugisomye nta kintu wumva. J'aimerais d'abord enlever quelques équivoques. Ndashaka gukuraho urujijo rumwe na rumwe. D'abord, ce livre qui porte le titre d'Apocalypse de Jean en français. Mbere na mbere iki gitabo gifite umutwe witwa ibyahishuwe Yohana mu gifaransa en français apocalypse dans le français courant c'est synonyme des choses terribles des choses épouvantables mu bisanzwe iryo jambo apocalypse mu gifaransa risobanura ibintu bibi ibintu by'akaga ibintu bibi mais au fond apocalypse vient du mot grec apocalypsis Ariko iryo jambo apocalypse riva ku kigereki apocalypsis. Et apocalypsis en grec veut dire chose révélée. Kandi apocalypsis mu kigiriki bivuga ngo ibyahishuwe. Donc le sens étymologique de ce mot, ce n'est pas des choses épouvantables, mais ce sont des choses révélées. Rero ubusobanuro bw'iryo jambo ntabwo ari ibintu by'akaga by'ibyago, ahubwo ni ibintu byahishuwe. Mais en anglais, ça cadre parfaitement avec le sens de ce mot étymologiquement. Ariko ijambo rikoreshwa mu cyongereza ryo rihwanye n'ubusobanuro bw'iryo jambo nyine ibyahishuwe. C'est le vrai sens. Nibwo busobanuro nyabwo. Et c'est de là où est tiré le Kinyarwanda. Kandi niho n'ikinyarwanda bagikuye. Book of Revelation. No kuvuga ngo ni igitabo cy'ibyahishuwe. C'est ce qu'en grec on dit apocalypsis. Nibyo n'ikigereki kivuga apocalypsis. Ceci étant dit, rero ibi bishatse kuvuga yuko c'est un livre plein de beaucoup de choses que chaque personne à commencer par les chrétiens devrait savoir. Ni igitabo gikubiyemo ibintu byinshi buri muntu wese by'umwihari ku Kristo akwiye kumenya. C'est là où se trouve la finalité du plan de Dieu. Aha, niho hakubiyemo indunduro y'umugambi w'Imana. Et j'aimerais dire que le point central de ce que Jean a reçu comme révélation et qui a été compilé dans ce livre, kandi nashakaga kuvuga yuko ipfundo ry'ibyo Yohana yahawe hishurirwa byandikwa muri iki gitabo, c'est le Seigneur Jésus dans sa gloire. N'umwami Yesu mu bwiza bwe. C'est son retour glorieux. N'ukugaruka kwe mu bwiza. C'est le Seigneur glorifié. N'umwami w'ubwiza. Et les événements autour de ça, de son retour. Ndetse n'ibijyanye no kugaruka kwe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime Jésus. Urugero umuntu ukunda Yesu, il devrait être réellement explosé de joie de voir que le Seigneur qui a été vu dans son humiliation jusqu'à la croix, on le voit maintenant dans sa gloire. Yagakwiye kwishimira cyane ko umwami waciye mu bihe bigoye byo kubambwa ku musaraba noneho azagaruka mu bwiza. L'homme de Galilée qui s'est humilié volontairement pour être l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ko uriya mugabo w'i Galilaya witanze ku bushake kugira ngo ahinduke umwana w'intama ukuraho ibyaha by'isi. Après son ascension, nyuma yuko azamuka mu ijuru, nous le voyons révélé dans sa gloire. Turamubona yihishura mu bwiza bwe. Ce n'est plus
l'homme de douleur habitué à la souffrance, tel que décrit dans Ésaïe 53. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu le présente dans Ésaïe 53. Mais dans l'Apocalypse, le même homme, nous le voyons dans sa gloire. Devant qui tout genou fléchit. Ça veut dire, dans l'Apocalypse, nous le voyons comme Seigneur qui domine maintenant la création. Et dans l'introduction de ce livre, Jean décrit le contexte dans lequel il a reçu ses révélations. Yohana avuga ni mu bihe ki yakiriye iri hisurirwa. Et c'est ce que nous voulons lire dans le chapitre 1er. Kandi nibyo dushaka gusoma mu gice cya mbere. Au verset 9, umurongo waho wa 9 jusqu'au verset 18. Kugera ku murongo wa 18. Moi Jean, votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ngo jewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu nari mu kirwa cyitwa Patimo bampura ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Voilà, c'est dans ce contexte que Jean décrit ce qu'il a reçu. Yohana avuga ku byo yakiriye. Jean était dans une île qui s'appelle Patmos. Yohana yari mu kirwa cyitwa Patimo. Normalement, Jean était devenu l'évêque ou le responsable de l'église d'Éphèse. Mu bisanzwe Yohana yari yabaye umushumba mukuru w'itorero ry'Efeso. L'une des églises de l'Asie mineure de l'époque. Ngo rimwe mu matorero yo muri Asia ntoya y'icyo gihe. Aujourd'hui, c'est une partie de la Turquie. Uyu munsi ni mu gace ka Turukiya. Alors Jean était âgé presque 80 ans. Rero Yohana muri icyo gihe afite nk'imyaka 80. C'était un vieillard. Yari umusaza rero. Alors ici il dit qu'il n'est plus sur le champ missionnaire, mais il est dans une île ou un îlot, précisément dans la mer Méditerranée. Rero ahangaha atubwira ko atari mu kuvuga ubutumwa hirya no hino, ahubwo yari ari mu kirwa gito cyane mu nyanja ya Méditerranée. La Méditerranée, c'est une grande mer. Méditerranée ni nyanja nini. Il y a une partie de la Méditerranée qui s'appelle mer Égée. Rero ako gace gatoya kitwa nyanja ya Ege. Et c'est dans cette mer Ege où se trouve cet îlot. Îlot, ça veut dire une petite île qui s'appelle Patmos. Rero ni muri ako gace k'inyanja ya Ege harimo akarwa gatoya kitwa Patimo. Alors, c'est dans quelles conditions l'apôtre de l'amour, communément appelé l'apôtre de l'amour Jean, parce que Jean, tous ses écrits étaient fondés sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Turavuga uburyo Yohana yavuzemo ayo magambo. Yohana yitwaga intumwa y'urukundo kuko yakunze kuvuga cyane ku rukundo. Ça veut dire Jean a écrit l'évangile de Jean. Nokuvuga ngo Yohana yanditse ubutumwa bwiza bwa Yohana qui est basé sur l'amour de Dieu. Bushingiye ku rukundo rw'Imana. Et Jean a écrit les épîtres. Hanyuma Yohana yandika inzandiko eshatu za Yohana. Et le thème central, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Kandi ipfundo ryizo nyandiko n'urukundo rw'Imana n'urukundo rwa mwene so. Voilà pourquoi on l'appelle l'apôtre de l'amour. Niyo mpamvu bamwita intumwa y'urukundo. Cet apôtre maintenant âgé de 80 ans presque. Rero iyo ntumwa igejeje mu myaka hafi 80. Nous le voyons dans l'île de Patmos. Turayibona mu kirwa cya Patimo. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Ese ni gute yageze aho ngaho? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ese yahakoraga iki? Parce qu'il n'y avait pas d'humains ou des hommes pour qui il était allé pour le prêcher. Kuko ntabwo yahasanze abantu bari batumye ajya kubabwiriza. Non, c'est un endroit
très rocailleux. Oya ahubwo hari ahantu huzuye amabuye y'ibitare. Ça veut dire un endroit hostile. Rero hari ahantu huzuye ibibuye by'ibitare n'ahantu mu byukuri hadaturwa. Comment est-ce qu'il était là? Ese ni gute yageze aho hantu? Lui-même va nous le décrire. We ubwe ari buvuge. Il dit il était là dans cette île à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nukuvuga ngo yavuze. C'est au verset 9. Kumurongo wa 9 impamvu yarari muri icyo kirwa ngo nikubwije ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Est-ce qu'il était là pour prêcher à qui? Ese yarahari kugira ngo abwirize nde? Témoigner au rocher? Ese byari guhamiriza ayo mabuye? Je ne crois pas. Oya ntabwo ari uko byizera. Ese byari kubera inyoni? Aux animaux sauvages? Ese byari kubera inyamaswa zo mu gasozi? Là je vais t'amener dans le contexte historique. Ndashaka kukuzana mu mateka aya magambo yanditswemo. C'était à l'époque de l'empereur romain Domitien. Byari mu gihe cy'umwami w'abami w'u Roma witwaga Domitien. C'était précisément en l'an 95. Byari mu mwaka après Jésus bien sûr. Wa 95 nyuma ya Yesu. Alors Jean était âgé de presque 80 ans. Rero muri icyo gihe Yohana yari afite hafi imyaka 80. Alors cet empereur païen, rero uwo mwami w'abami w'abapagani, l'empereur Domitien, witwaga Domitien, avait déclenché une persécution. Yari yaratangije itotezwa. Persécuter les chrétiens. Gutoteza abakristo. Il est évident que Jean figurait parmi les ténors de cette doctrine. Kandi biragaragara yuko Yohana yari mu bisonga by'izo nyigisho. Il était connu dans l'Empire romain. Yarazwi mu bwami bw'Abaroma. Parce qu'il faisait partie des apôtres de Jésus. Kuko yari mu ntumwa za Yesu Kristo. Il a vu Jésus, il a vécu avec lui. Yabonye Yesu, yari yarabanye nawe. Il était très influent parmi le peuple de Dieu. Rero yari afite ijambo mu bwoko bw'Imana. Les autres apôtres étaient déjà morts. Izindi ntumwa zo zari zarapfuye. Pour la plupart martyrisés. Benshi muri bo bahowe ubutumwa bwiza. Que ce soit les Paul, les Pierre. Yaba ba Paulo, yaba ba Petero. C'était le seul qui restait. Niwe wenyine wari usigaye. Alors, pendant cette persécution des chrétiens sous Domitien. Rero muri iryo totezwa ry'abakristo mu gihe cya Domitien. Alors, la loi romaine. Amategeko yaba Roma. Ne permettait pas à ce qu'un vieillard de son âge soit condamné aux travaux forcés. Nago yemeraga ko umusaza w'imyaka ye akoreshwa imirimo y'agahato. Parce que l'île de Patmos, kuko icyo kirwa cya Patmo, c'était un lieu de bannissement où les Romains, quelqu'un qui était condamné, on l'envoyait là-bas à la galère pour tailler les pierres que les Romains utiliseront dans la construction des routes pavées. Cyari ikirwa aho abaroma bafungiraga abantu kugira ngo baconge amabuye abaroma bazubakisha imihanda. Ça veut dire au lieu de le laisser dans la prison, on les bannissait là-bas. No kuvuga ngo aho kubagumisha muri gereza babashyiraga aho hantu nk'ifungwa. Afin qu'ils puissent être productifs. Kugira ngo babashe kubabyaza umusaruro. C'est ce qu'on appelle les travaux forcés. Nibyo bita imirimo y'agahato. Et que les uns peuvent appeler dans certains pays des travaux d'intérêt commun. Nibyo bamwe bashobora kwita mu bihugu. Ou d'intérêt général. Mu bihugu bimwe na bimwe tije. Voilà, donc les Romains bannissaient les prisonniers là-bas. Rero abaroma bafungiraga imfungwa muri icyo kirwa. Dans des conditions terribles. Mu bihe bibi cyane. D'ailleurs, c'est de là où vient l'expression vivre la galère. Ça veut dire être dans une situation terrible, pas agréable, de souffrance. Niho haviryo jambo rikoreshwa iyo bashaka kuvuga ko umuntu ari mu kaga, ari mu mubabaro. Lorsqu'il traverse des moments difficiles. Iyo umuntu ari guca mu bihe bibi bigoye. En français, on dit il est en train de galérer. Mu gifaransa akoresha ijambo galérer, ni ukuvuga kuba mu kaga.
Donc Jean n'était pas la loi le protéger par rapport aux travaux forcés. Rero Yohana amategeko yaramurengeraga kubijyanye n'imirimo y'agahato. Vu son âge, ukurikije imyaka yari afite. Mais les Romains, ils étaient en train de persécuter la foi chrétienne. Ariko abaroma kuko bari barimo baratoteza kwizera kwa Gikristo. Alors que lui il était à la tête d'église ou des églises. Kandi we yari umuntu ukomeye uyoboye amatorero. Porteur du témoignage vivant de Jésus. Ufite ubutumwa buzima bwa Yesu Kristo. Alors il a été obligé d'être transporté jusque dans cette île. Byabaye ngombwa ko bamujyana ku gahato muri icyo kirwa. Non pas pour les travaux forcés, atari ukugira ngo akore ya mirimo y'agahato, mais comme un lieu de bannissement, l'exil. Ahubwo nk'ahantu bamushyize mu kato cyangwa se bamutaye. Loin du champ missionnaire. Kure yaho yavugiraga ubutumwa bwiza. C'est ça en fait la punition, la peine qu'on lui a infligé. Nicyo mu byukuri gihano yakatiwe. Là, il n'aura personne à influencer avec sa foi. Bavuga ngo hariya nta bantu azabasha kubwiriza mu kwizera kwe. Donc lui n'était pas condamné aux travaux forcés. Rero we ntabwo yari ari muri iyo mirimo y'agahato. Mais il était banni. Ariko nahantu yarashyiriwe mu kato. No kuvuga ngo bari baramuciye muri ako gace. C'est dans ce contexte. Rero ni muri ubwo buryo que Jean se trouve dans l'île de Patmos. Yohana yisanze mu kirwa cy'Patimo. Essayons de nous mettre dans la peau de l'apôtre. Non, reka tugerageze kwishyira mu mwanya w'intumwa Yohana. Un vieillard de 80 ans. Umusaza w'imyaka 80. Qui avait déployé toute sa jeunesse, toute son énergie pour proclamer Christ. Wari warakoresheje imbaraga ze zose ubusore bwe bwose kugira ngo yamamaze Kristo. Qui était parmi le peuple de Dieu qui l'aimait tant. Wari mu bwoko bw'Imana bwamukundaga cyane. Et que lui aimait tant. Kandi nawe yarabukundaga cyane. Et voilà, il est banni loin du peuple de Dieu. None odore yaraciwe ari kure y'ubwoko bw'Imana. Il n'y a aucune consolation. Nahumure narito afite. Aucun humain est près de lui. Na muntu umwegereye ngamuhihumure amuhumurize. Il n'a plus personne à qui témoigner l'amour de Jésus. Na muntu afite wo kubwira gusangiza urukundo rwa Yesu. C'était un endroit le plus terrible qui soit pour un homme de cette pointure de Jean. Rero hari ahantu hibyago nakaga gakomeye. Nous imaginons la souffrance dans son cœur. L'inactivité 24/24. Quelqu'un qui était tout le temps en train de témoigner de Jésus. Il n'y a pas de mort terrible que celle-là. Et si nous nous mettons dans la peau de Jean, nous pouvons aussi nous poser des questions qu'il aurait peut-être dû se poser. Il dit, mais pourquoi Seigneur? Tu es tout puissant. Tout est soumis. Avant de te séparer de nous, sur le mont des Oliviers, tu as dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais comment est-ce que tu permets un tel drame? Tu nous avais envoyé dans toute la création pour leur parler de toi, de ton amour. Et voilà, je suis banni dans un endroit désert. Alors, il est là avec les oiseaux autour de lui, même les serpents. Les chacals, peut-être. Est-ce que Jésus, ce message est destiné aussi aux oiseaux? Avuga ngo se mwami ubutumwa wampaye bugenewe zino nyoni se? Je pense qu'il s'est posé beaucoup de questions. Ndibaza ko yibajije ibibazo byinshi. Je sais que les Romains ne sont pas plus puissants que toi. Avuga ngo ndabizi ko abaroma badafite ubutware kukurusha. Toi tu es le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Wowe uri umwami w'abami, uri umutware w'abatware. Tu es le tout puissant. Uri ishobora byose. Tu as vaincu la mort. Watsinze wanesheje urupfu. On t'a vu après ta résurrection. Twarakubonye
Nous avons passé 40 jours avec toi après ta résurrection. Nous en sommes témoins. Mais comment est-ce que tu as permis à ce que les Romains me bannissent dans cet endroit? Loin de l'église, loin des humains. D'ailleurs, c'était le moment propice à ce que je sois utile pour encourager la foi des chrétiens pendant cette persécution. Ndetse hari hageze wari umwanya ukwiye ko mumuriza abakristo mu gihe nk'iki kitotezwa. Souvenez-vous que c'était à l'époque de la persécution déclenchée par l'empereur Domitien en l'an 95. Mwibuke ko byari mu bihe byitotezwa ryazanywe n'umwami w'abami Domitien mu mwaka wa 95 nyuma ya Kristo. Alors Jean il est là. Il y a beaucoup de pourquoi. Hari impamvu n'ibibazo byinshi yibazaga. Est-ce que tu m'as abandonné? Avuga ngo warantaye. Pourquoi as-tu permis à ce que cela m'arrive? Kuki wemeye ko ibi ngibi bingeraho? Est-ce que je suis utile dans cette île de Patmos? Ese hari umumaro mfite muri iki kirwa cy'Patmo? Donc il y a beaucoup de questions peut-être qui auraient traversé son esprit. Rero birashoboka ko hari ibibazo byinshi yibazaga. Cette situation de Jean, par analogie, nous pouvons la comparer à la nôtre aujourd'hui. Parce que nous vivons des moments inédits. Il y a quelques mois, les gens ne pensaient pas que les hommes arriveront à vivre comme on vit aujourd'hui. Abantu nibatekerezaga ko abantu bashobora kubaho nkuko tubayeho uyu munsi. Où tout s'arrête. Aho ibintu byose bihagarara. Où les usines ferment. Aho inganda zifunga. Où les compagnies aériennes sont bloquées. Aho ibigo by'indege uyu munsi byafunze. Là où l'économie est ébranlée. Là où les hommes sont obligés à être confinés dans leur maison. Je veux dire, dans certains pays, là où on prend des décisions drastiques contre cette situation inédite. Vous savez que le coronavirus a commencé en Chine. C'est au mois de décembre 2019 où la Chine a annoncé ce fléau, mais en tant qu'épidémie. Le monde croyait que c'est un problème chinois. Que c'était un problème sino-chinois. Oui, Seigneur, aide les Chinois. Pour qu'ils puissent venir à bout de ce problème. Et puis, le mois de janvier est arrivé, le nouvel an 2020. Hanyuma ukwezi kwa mbere tukwinjiramo. Ce fléau qui a commencé comme une épidémie commence à prendre l'ampleur en Chine. Et va déborder le vaste territoire chinois. Commencer à toucher les pays voisins. Et le mois de février est arrivé. Le coronavirus a gagné du terrain. Coronavirus irushaho gufata intera. Jusqu'à maintenant, a commencé à dépasser même le continent asiatique. Kugezaho nono irenze umugabane wa Asia. Attaque l'Europe. Igera mu Burayi. Dépasse le continent européen. Irenga imbibi z'umugabane w'u Burayi. Attaque d'autres continents. Itangira kugera mu yindi migabane. Amérique. America. Et d'autres pays, Canada et autres. Ndetse nibindi bihugu nka Canada nibindi. Et jusqu'à venir dans le sud, l'hémisphère sud. Kugezaho ije mu gice cy'amajyepfo cy'isi. Et pose ses valises pour un temps
en Afrique du Nord, en Égypte. Noneho ibanza kugera mu gihe gitoya muri Afrika y'Amajyaruguru no kuva muri Egypte mu Misiri. Mais il n'a pas posé ses valises, mais il a repris les valises et a commencé à se répandre dans les pays alentours, Tunisie, etc. Ariko ntabwo yagumye aho ngaho, ahubwo yatangiye no kujya mu bihugu by'ibituranyi, Tunisia n'ibindi bihugu. Et aujourd'hui, il est descendu jusque en Afrique subsaharienne dans laquelle nous nous trouvons. Noneho ubu yaramanutse ijya muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara aho turi ahangaha. L'OMS finalement a déclaré que ce fléau n'est plus une épidémie, ça veut dire un fléau local, mais c'est devenu une pandémie. Kandi ikigo cya Roni, l'Organisation mondiale de la santé, ikigo cya Roni gishinzwe ubuzima ku isi cyamaze kuvuga yuko ntabwo iki cyorezo kikireba agace gatoya ahubwo cyafashe isi yose. Parce que lorsque une maladie, kuko iyo uburwayi, que ce soit un virus, yaba urugero butewe na virusi, devient un fléau qui touche plus qu'un continent, qui touche le monde entier. Buhindutse icyorezo kirenze imbibi z'umugabane ahubwo kigera ku isi yose. Cette maladie prend le caractère de pandémie. Pan, ça vient du grec, ça veut dire le tout. Ni ukuvuga ngo gitangira gufata izina rya pandémie. Pan biva ku kigereki bivuga ngo byose. Ça veut dire aujourd'hui le monde fait face à la pandémie du coronavirus. Pero uyu munsi twavuga ko isi hanganye n'icyorezo pandémie coronavirus. Et dans le monde entier, kandi ku isi hose, on est en train de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre cette pandémie. Umuvuduko wo kurwanya icyo cyorezo uri muri yongera ku isi hose. Jusqu'à ce que les États prennent des mesures drastiques. Kugeza aho za leta zifata ibyemezo bidasanzwe. Et parmi ces mesures drastiques, kandi muri ibyo byemezo bidasanzwe, c'est de limiter le mouvement des humains. Harimo guhagarikwa kw'ingendo z'abantu. Et lorsque les hommes sont confinés chez eux, ou lorsque des villes entières sont barricadées, par exemple en France, il est interdit de sortir sans raison justificative, sans avoir un papier sur soi qui mentionne pourquoi tu sors et pour combien de temps. C'est passible à une amende de 135 euros. Urugero nko mu Faransa hari itegeko ryuko nta muntu kwiye gusohoka iwe uko yiboneye adafite uruhushya cyangwa se icyemezo kimwemerera gusohoka. Iyo bagufashe baguca amayero 135. Vous voyez l'ampleur de cette pandémie. Rero murimo murumva uburemere bw'icyo cyorezo. Alors, mettons-nous dans la peau des hommes et des femmes qui sont confinés dans leur appartement. Rero reka twishyire mu mwanya bw'abagabo bw'abagore badashobora gusohoka mu ngo zabo. Qu'ils étaient habitués à bosser, à travailler tous les jours. N'abantu bari baramenyereye gukora umunsi ku munsi. Tout le temps en mouvement. Buri mwanya babaga bafite icyo bakora. Que ce soit, si c'est pas le travail, ce sont les loisirs. Niba atari akazi bariho bari mu myidagaduro. Théâtre, etc. Bari wenda bajye kureba amakinamico n'ibindi n'ibindi. Maintenant, ils passent des semaines entières confinés dans la maison. Noneho bari kumara ibyumweru n'ibyumweru bafungiranye mu mazu yabo. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui traversent leurs esprits. Ndibazako hari ibibazo byinshi batangira kwibaza. Pourquoi? Kubera iki? Comment sommes-nous arrivés ici? Ese ni gute twageze kuri uru rwego? Il y a 4 mois en arrière, c'était impensable. Hashize amezi agera kuri ane twashoboraga no kubitekereza. Comment est-ce que le monde est arrivé à ce point? Ese ni gute isi yageze muri uru rwego? Et la même situation peut être appliquée aussi aux hommes de Dieu. No kuvuga ngo nabakozi b'Imana bayoboye imirimo runaka ibyo nabyo birabashikira. Ils étaient habitués à être devant le peuple, le public, devant leurs ouailles pour leur donner la parole. Bari bamenyereye kuba imbere y'intama kugira ngo bazihe ijambo ry'Imana. Visiter les malades, visiter les chrétiens, visiter leurs ouailles. Bagasura abakristo, bagasura intama zabo. Ou même les imams, ou je vais parler de toutes les croyances en général. Alors, ces responsables spirituels se retrouvent aussi
sans chair pour pouvoir donner le message. Rero nabo bayobozi bamadini atandukanye kwisi n'imyizerere itandukanye ugasanga nta hantu bagifite ho kuvugira ijambo. Donc ils sont obligés d'être chez eux à la maison. Rero nabo barasabwa kugumi wabo mungo. Ceux qui ont les moyens peuvent continuer à encourager leurs fidèles à travers les réseaux sociaux. Noneho ababashije kugira ubu uburyo bakabasha gutera ishyaka inama zabo biciye mu mbuga nkoranyambaga. Croyez-vous que c'est facile? Ese mwibwira ko byoroshye? Pour ces responsables spirituels, kubgabo bayobozi bamadini, habitués à être au milieu du peuple qu'ils conduisent, bamenyereye kuba hagati y'ubwoko bayobora. Je pense que aussi par moments il y a un sentiment d'angoisse qui les atteigne. Rero ndibaza ko nabo bayobozi b'amadini n'amatorero atandukanye bageraho bakumva bafashwe n'ubwoba n'agahinda muri bo. Ou un sentiment de lassitude. Lassitude, ça veut dire d'inactivité ou d'inutilité. Cyangwa se bagatangira kwiyumvamo ko ari nkaho ntacyo bamaze kuko nta murimo bafite wo gukora. Parce que eux aussi n'ont jamais imaginé que ça arrivera un jour où leur église sera loin d'eux, où leur congrégation loin d'eux. Kuko nabo ntibigeze batekereza aho amateraniro yabo azaba kure yabo nabo bakayaba kure. D'ailleurs, j'en profite pour dire que lorsque on a quelque chose tous les jours avec soi, on ne valorise pas réellement la chose à sa juste valeur. Rero ndagira ngo nshimangire nibyo ko iyo ufite ikintu muhorana nabwo ugiha agaciro kagikwiriye. Là, je veux dire, lorsque on n'a plus de temps de culte. Aho ndashaka kuvuga iyo utagifite umwanya wo gusenga. Lorsqu'il n'y a plus de moment de fraternité. Iyo utagifite umwanya wo gusabana na beneso. Lorsque on n'a plus ces moments où on retrouve les frères et sœurs. Iyo utagifite uwo mwanya aho uhura na beneso. C'est là où on comprend la valeur des assemblées de Dieu. C'est là où tu comprends la valeur d'être ensemble dans une foi commune. Que ce soit les croyants, loin de la congrégation, plus de rassemblement, que ce soit les hommes dans le monde confinés dans leur petit appartement, dans leur maison. Yaba abantu batandukanye bifungiranye mu nzu zabo. À cause la menace du coronavirus. Kubera umuvuduko w'iki cyorezo cya coronavirus. La menace. Cyangwa se la peur que ça donne. Ubwoba buterwa n'icyo cyorezo. Parce qu'avant c'était loin de soi. Kuko mbere washoboraga kuvuga ko kiri kure yacu. Mais aujourd'hui ça attaque le voisin. Ariko uyu munsi kirimo kiratera umuturanyi. Lorsque tu vois l'Italie. Iyo urugero dufashe nk'ubutaliyani. Avant c'était quelque chose qui est dans une certaine région. Mbere cyari ikintu kiri mu gace runaka. Mais aujourd'hui c'est le voisin qui est attaqué par le virus. Ariko uyu munsi n'umuturanyi watewe n'icyo cyorezo. Et tu entends un voisin qui est mort. Noneho ukajya kumva umuturanyi wawe yapfuye. Et là tu comprends que ce n'est plus quelque chose qui est pour les autres, mais c'est quelque chose qui peut aussi t'arriver. Noneho ugasobanukirwa ko nabwo kikiri ikintu cy'abandi, ahubwo ni ikintu nawe cyakugiraho ingaruka. Voilà pourquoi il y a une angoisse généralisée dans le monde. Niyo mpamvu hari ubwoba muri rusange ku isi hose. Alors les telles questions que l'apôtre s'est posé dans l'île de Patmos ne manqueraient pas certainement à nous arriver. Rero biriya bibazo intumwa Yohana yibazaga mu kirwa Patimo nakabuza natwe turabyibaza. Mutatis mutandis, ça veut dire à quelques exceptions près. Nuko uvuga ngo turi kwibaza ibibazo nk'ibyo Yohana yibazaga keretse kubw'ibintu runaka bito bito. Parce que les temps sont différents et les contextes sont différents. Kuko ibihe turi kubyibarizamo biratandukanye n'igihe turimo kiratandukanye. Mais parce que nous sommes tous humains. Ariko kuko twese turi abantu. En face de l'incompréhensible. Imbere y'ikintu tudasobanukiwe. En face de quelque chose qu'on ne comprend pas réellement comment la chose a pu arriver. Imbere y'ikintu tudasobanukiwe neza ni gute iki kintu cyadushyikiye cyatugezeho. Je me rappelle la parole que le président
français Macron a adressé au peuple français récemment. Ndibuka neza ijambo Emmanuel Macron, président du France, yabwiye abafaransa mu gihe gishize. Il a dit en substance, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. Turi mu ntambara aho duhanganye n'umwanzi utagaragarira amaso. Pas contre une autre nation ou contre une armée. Nokuvuga ngo nago turi kurwana n'irindi shyanga cyangwa se n'izindi ngabo. Mais contre un ennemi commun de l'humanité. Ahubwo turi kurwanya umwanzi duhuriyeho nk'isi yose. Vous voyez que ce problème qui cause cette situation dans le monde aujourd'hui. Rero murabona icyo kibazo giteje aka kaga mu isi yose. Chaque personne dans son contexte personnel. Buri muntu wese mu bihebye by'umwihariko. Il ne manquerait pas à se poser certaines questions. Ntabwo yabura kwibaza ibibazo bimwe na bimwe. Mais comment c'est arrivé? Avuga ngo ese ibi byagenze gute? Peut-être que demain je serai parmi ceux qui seront atteints. Wenda mu misi iri imbere ndaba muri bariya bamaze kwandura. Ma famille. De telles questions nous mènent certainement à la question cruciale, mais où est Dieu? Bitugarura ku kibazo nyamukuru cyo kuvuga ngo ese Imana iri hehe? Ou pour ceux qui ne peuvent pas douter de Dieu, ils se demandent mais pourquoi Dieu a permis ça? Cyangwa se kuri bariye badashobora gushidikanya ku Mana bakavuga ngo ese kuki Imana yemeye kuki kintu kitugeraho? Pourquoi est-ce que cette situation est arrivée alors qu'il nous a promis d'être toujours avec nous? Ngwese kuki iki kintu cyatugezeho kandi yarasezeranye guhorana natwe ibihe byose? Il y a certainement de telles questions que les enfants de Dieu les uns les autres se posent aujourd'hui. Rero nta kabuza hari ibibazo twagereranya n'ibyo abana b'Imana bari kwibaza uyu munsi. Est-ce que en étant séparés sans assemblée, le Seigneur voit que c'est là où nous allons réellement être renforcés, être confortés dans notre vie de chrétien? Est-ce que Dieu ne voit-il pas qu'en étant séparés les uns des autres, il y en a ceux qui ont une foi faible vont finalement retourner dans le monde? Ngwese Imana nibona ko igihe dutatanye abafite kwizera gucumbagira bazisubirira mu isi. Si cette situation perdure, iki cyorezo nikikomeza, si elle s'installe dans la durée, nikikomeza gufata intera mu gihe kiri imbere kirekire. Certainement, Seigneur, tu ne vois pas que tu vas perdre tes fidèles. Il y en a qui étaient toujours dans la foi parce qu'ils étaient constamment nourris à travers la parole de Dieu dans l'église. Maintenant, il n'y a plus ces moments-là tant bénis que nous avions. Ngubu rero ntago tukigirirwa umugisha wo kuba mu bihe nk'ibyo byiza twaboneyemo umugisha. Voyez, il y a beaucoup de questions qu'on pourrait se poser par rapport à ce que Dieu pense de la situation. Rero hari ibibazo byinshi umuntu ashobora kwibaza yibaza ngo si mana ibitekereza ite. Qui pourrait pousser loin la réflexion ou la pensée ou le questionnement jusqu'à se demander, Seigneur, mais ton œuvre elle-même, elle va en pâtir. Hari na bamwe bashobora gukomeza kwibaza mu buryo bwimbitse bavuga ngo mwami ndetse n'umurimo wawe bizawugiraho ingaruka. Voilà la situation dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Nuko rero ibyo nibyo bihe isi irimo irabamo. Pouvons la comparer par analogie à cet isolement de Jean dans l'île de Patmos. Dushobora kubifata nk'uburyo bw'ikigereranyo uko gushyirwa mu kato kwa Yohana mu kirwa cy'Patmo. Parce que comme l'avons dit, Jean certainement n'a pas compris pourquoi Dieu a permis à ce qu'il soit isolé dans cet endroit éloigné de son champ missionnaire. Kuko nk'uko twabivuze, Yohana ntiyasobanukiwe neza impamvu Imana yemeye ko ashyirwa mu kato kure yaho yavugaga ubutumwa. Alors aujourd'hui, certainement que beaucoup de chrétiens ou beaucoup d'hommes d'église, des pasteurs, etc. ne comprennent pas aussi pourquoi Dieu a permis ça. Parce que
Parce qu'on a tendance à dire, mais ça n'arrange pas le Seigneur. Certainement, sur le plan de la logique humaine, on a raison. Parce que dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il est dit qu'il ne faut pas que les saints abandonnent leur assemblée. Et surtout quand, lorsque vous voyez que ce jour approche du retour de Jésus. Ils font multiplier vos assemblées. C'est là où on s'assemble à son nom. Lorsqu'on se rassemble à son nom, le Seigneur est présent et il connaît les besoins de tout chacun. Alors, par son esprit, il nous communique ce dont nous avons besoin dans l'avancement de notre foi. Et voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'assemblée. Alors, chacun est chez soi. Voilà, de telles questions ne manqueraient pas à venir dans nos esprits. Mais lorsque Jean a reçu de la part de son Seigneur toutes ces révélations fantastiques, grandioses, qui sont dans le livre qu'il nous a laissé, alors là, il a compris que derrière tout ce qui nous arrive, il y a un plan de Dieu qui ne serait compris que lorsque sera révélé. Ça veut dire, lorsque nous traversons des situations qui sont en apparence sans explication, le Seigneur, il me semble, nous dit, calmez-vous. Il y a une expression du Seigneur dans la Bible, surtout dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. À travers la bouche des prophètes, tu trouveras cette expression. Vous le comprendrez dans la suite des temps. C'est là où vous le comprendrez. Vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre si le temps de Dieu de nous révéler le pourquoi n'est pas encore arrivé. Mais l'enfant de Dieu, il s'appuie sur ce verset pour lutter contre les doutes qui peuvent l'assaillir de la part de l'ennemi. C'est la parole qui est dans Romains 8:28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui ont été appelés selon son dessein. La Bible dit tout. Et l'apôtre par qui le Seigneur nous a donné cette parole, en l'occurrence, je dis ici, l'apôtre Paul, mais que de situations insolite, il a traversé. Alors il a compris. À la sortie de chaque situation incompréhensible, il a vu que c'était pour l'avantage de l'avancement du royaume de Dieu. Et voilà, il a appris cette leçon. Qu'il serait toujours calme devant des situations qu'il ne comprend pas, des situations sur lesquelles il n'a aucune maîtrise. Il sera toujours en attente, confiant dans le Seigneur, que Dieu est en train de travailler
à travers cette situation inédite. Kwimana iri gukorera muri icyo kintu kidasanzwe. Et que l'issue sera le bien de l'enfant de Dieu, le bien du peuple de Dieu pour la gloire de son Dieu. Kandi ko indunduro izaba kwineza y'umwana w'Imana kubw'icyubahiro cy'iyo mana. Alors pendant que Jean était dans cette île d'isolement, rero igihe Yohane yari muri icyo kirwa cyakato, alors il nous dit ceci. Yatubwiye aya magambo. À partir du verset 10. Uhereye ku murongo wa 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte. Inyuma yanjye numva ijwi rirenga. Comme le son d'une trompette. Nk'iry'impanda. Qui disait, rivuga riti, ce que tu vois, icyubona, écris-le dans un livre, ucyandike mu gitabo, et envoie-le aux sept églises, ucyoherereze amatorero, à Éphèse, amatorero arindwi yo muri Efeso, à Smyrne, à Pergame, ni Simiruna ni Perugamo, à Thyatira, à Sardes, ni Tuatira ni Sarudi, à Philadelphie et à Laodicée, ni Philadelphia ni Laodikia. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ngo nuko mindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Et après m'être retourné, mindukiye, je vis cet chandelier d'or. Mbona ibitereko by'amatabaza. Et au milieu de ces chandeliers, ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, ngo kandi hagati y'ibyo bitereko, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu. Vêtu d'une longue robe. Yambaye igishura. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, de la laine blanche. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera. Comme de la neige. Cyangwa nka sheregi. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. N'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. N'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi. Il avait dans sa main droite cette étoile. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afite inyenyeri ndwi. De sa bouche sortait une épée aiguë. Mu kanwa ke havagamo inkota ityaye. À deux tranchants. Ifite ubugi impande zombi. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Mu maso ye hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire à Dieu. À partir de ce moment, alors la situation de Jean change. Ce n'est plus le temps au questionnement. Mais c'était maintenant un temps de grande extase. Il passe dans une autre dimension. Il quitte la dimension humaine avec ses limites. Il quitte la dimension humaine avec notre raison limitée. Là où nous n'avons pas de réponse à toutes les questions. Cette révélation de son Seigneur glorifié. Il y a eu nous fait pénétrer dans le monde où tout est limpide, tout est clair. Là où toute question a déjà une réponse. Là où les pourquoi n'ont pas libre cours. Là où toutes les questions n'ont pas voix au chapitre. Il n'y a pas de place aux questions. Tout est limpide, tout est clair. Et c'est là où il commence à recevoir les grandes révélations
les unes après les autres. Aho noneho niho yatangiye kubona ihishurirwa rikurikirana n'irindi. Dieu lui montre les événements mondiaux qui se succéderont jusqu'à la fin des temps. Imana itangira kumuhishurira ibintu bizakoreka ku isi uko bizakurikirana mu gihe cyabyo. Même aujourd'hui, nous sommes en train de voir les préparatifs de certains événements annoncés, révélés à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Ndetse na n'uyu munsi turi kubona ineguro ry'ibintu bimwe na bimwe biri kudutegurira ibyo Yohana yahishuriwe mu kirwa cya Patimo. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le chapitre 2, chapitre 3, ça vit au temps de l'église qui touche à leur fin. Kuko uyu munsi twahugereranya no mu gice cya kabiri cya gatatu cya Yohana aho avuga l'âge de l'église. Aho ari kuvuga mu gihe cy'itorero rigeze ku ndururo yaryo. Et après l'enlèvement de l'église. Hanyuma nyuma yuko itorero rizamuka. Nous allons entrer dans le chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. Tuzinjira mu gice cya kane kugeza mu gice cya 19. Là où l'église sera absente de la terre. Aho itorero rizaba ritakiri hano mu isi. Et les événements qui sont décrits ici se dérouleront les uns après les autres sur cette terre. Kandi byanditswe muri iki gitabo bizakurikirana hano ku isi nyine. Alors, ce sont des événements précurseurs du retour de Jésus avec l'Église. Vous savez, au chapitre 1er, il voit Jésus dans la gloire. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Seulement pour t'aider à comprendre le pourquoi de son isolement dans l'île de Patmos. Pourquoi Dieu a permis à ce qu'il soit banni dans cette île. C'est pour que tu vois, tu comprennes que le message que Dieu voulait lui donner valait la peine à ce qu'il souffre un peu cet isolement. Nous kugira ngo usobanukirwe ko uburemere bw'ibyo Imana yashakaga kumuha byari ngombwa ko ashirwa muri ako kato akihanganira uko kubabazwa. Parce qu'il était trop occupé avec l'église. Kuko mbere itorero ryamutwaraga umwanya munini. Il n'aurait pas eu le temps suffisant pour recevoir toutes ces révélations. Nago rero yari kubona umwanya uhagije wo kwakira iryo hishurirwa. Il fallait qu'il soit isolé loin des hommes. Loin de cette tâche journalière pour prendre soin de troupeaux de Dieu. Parce que des fois, nous sommes dans l'activisme et Dieu, le Seigneur n'a pas le temps de nous parler. Et nous voyons dans la Bible, chaque fois que Dieu a voulu préparer à son serviteur pour lui donner une mission dans le futur, il l'a mené toujours dans le désert. Kandi kenshi turabibona muri Bibiliya aho Imana yafataga umukozi wayo kugira ngo imuhe ubutumwa imutegure yamujyanaga mu butayu. Nous voyons Moïse qui a été loin des fastes de l'Égypte ou du palais de Pharaon. Turabona Mose wabaye kure. Il a passé 40 années en tant que berger. Il a passé imyaka 40 ans chez son beau-père Jethro. Ari kwa Yetiro. Vous voyez, ça veut dire le maximum de son temps, il le passait loin des hommes avec le troupeau. Nuko uvuga ngo igihe cye kinini yakimaraga kure y'abantu ari kumwe n'umukumbi we gusa. Dieu le préparait. Imana yaririmira mutegura. Son instrument. Yaririmira koresha yategura igikoresho cyayo. Et bien d'autres, Jean-Baptiste. Nabandi nka Yohana Umubatiza. Il a été amené dans le désert de Judée. Nawe yabaga mu butayu bw'i Yudaya. Même Jésus avant sa mission, il est allé dans le désert. Ndetse na Yesu mbere yuko atangira umurimo yagiye mu butayu. Loin de toutes sortes de préoccupations. Kure y'imyitwarariki yari yo yose. Loin des hommes, Kureyabano. Là où Dieu a cet instrument face à face. Aho, Imana ibifite igikoresho cyayo amaso ku maso. Il n'y a plus d'autre occupation. Aho, nta bindi bintu bigutwara umwanya. L'esprit est libre. Aho, umwuka ababohokeye gutega ugutwi. Du train-train de la vie. Aho, uri kure y'imyitwarariko ya buri munsi. Nous voyons même Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Ndetse turabona na Sauli w'i Tarso waje guhinduka intumwa Paulo. Avant que Jésus l'envoie.
Il dit lui-même dans l'épître aux Galates qu'il a été amené dans le désert d'Arabie. Voilà, donc Dieu nous fait sortir de notre quotidien. Il nous enlève tout ce qui nous occupait. Alors nous sommes seuls avec lui. Alors Jean a compris pourquoi Dieu avait permis que les Romains le bannissent dans l'île de Patmos. Parce que c'est ce qu'il a reçu comme révélation aurait un impact plus que toutes les années qu'il a passé à prêcher l'évangile. Parce qu'il a eu la révélation du dernier livre de la parole de Dieu. Des révélations qui traverseront des siècles. Le livre qui va nourrir la foi du peuple de Dieu des siècles et des siècles. Il n'aurait pas eu cette révélation sans être isolé loin de ses préoccupations pastorale ou apostolique. Nabwo yari kugira iryo yishurirwa adashizwe kure mukato akure y'imirimo ya buri munsi yo gushumba. Parce que là, il n'avait plus autre chose qui l'occupait sinon recevoir les révélations de Dieu. Kuko aona kintu cyamutwaraga umwanya keretse gusa kwakira ishurirwa rivuye ku Mana. Et vous voyez le livre qu'il nous a laissé? Rero murabona iki gitabo yadusigiye? Ce n'est pas son commentaire. Ntabwo ari amagambo ubwe yiyandikiye. On lui a dit, baramubwiye ngo, tu vas transmettre ce que tu as vu. Ngo wandike ibyo wabonye. Ça veut dire il devait uniquement nous dérouler ce qu'il a vu. Ni ukuvuga ngo yagombaga kutubwira ibyo yabonye. Sans commentaire. Ntacyo yongeyemo. Sans message. Ntakintu we yivu abivuzeho. C'était décrire ce qu'il a vu. Bien sûr, certaines choses qu'il avait vues n'avaient pas de paroles humaines pour les décrire. Mais, et il a compris que ça valait la peine qu'il souffre l'isolement, le bannissement. Je vais te donner la structure brièvement de ce qu'il nous a laissé. Le premier chapitre, il décrit la révélation du Seigneur glorifié qu'il a reçu dans l'île de Patmos dans son isolement. Il dit cyambere avuga ku mwami w'ubwiza wamwihishuriye mu kirwa cya Patmo igiye mwiyerekaga. Le même Seigneur. Wa mwami nyine. Sur la poitrine de laquelle il aimait reposer sa tête. Ah mu gituza cye niwo ngo yakundaga kuryama. C'est le même Seigneur. Ni wa mwami nyine. Mais ici nous le voyons pas courir dans ses bras. Ariko hanga turamubona atirukira kumuhobera. Parce que c'est le même Seigneur mais dans une dimension de gloire. C'est le même Seigneur crucifié. Mais il ne pouvait pas l'approcher. Parce que c'était le Seigneur glorifié. C'est évident qu'il est tombé raide mort devant lui. Il a fallu que le Seigneur lui insuffle l'esprit de puissance. Afin qu'il reçoive l'énergie divine. Et qu'il puisse se tenir devant le Seigneur glorifié. Être à mesure de recevoir la révélation. De l'un des révélations les plus glorieuses de la Bible. Le Seigneur commence à lui dire. Il décrit d'abord comment le Seigneur glorifié est. Atangira kuvuga uburyo uwo mwami w'ubwiza ameze. Aucun être humain ne peut l'approcher. Na cyaremwe na kimwe cyabasha kumwegera. Mais c'est Jésus de Nazareth lui-même. Ariko iriya wundi Yesu w'i Nazareth ubwe. Mettant sa gloire. Ariko yambaye ubwiza. Et aujourd'hui, l'Église n'adore pas Jésus de Nazareth encore dans ses limitations humaines. Itoro nabwo rikiramya wa Yesu w'i Nazareti uri mu mbibi za kimuntu. Si c'est cette vision que tu as, niba ari iryo yerekwa ufite kuri we, toi tu vis l'anachronisme.
nukufuga ngo wewe uburyo ukireba ibintu n'uburyo buri hanze y'igihe cy'Imana. Jésus n'est plus dans cette humiliation. Yesu ntabwo akiri muri uko gucishwa bugufi. Jésus est dans cette révélation que Jean a reçue. Yesu ari muri iryo hishurirwa Yohana yakiriye. L'église, le chrétien devrait adorer Jésus dans cette révélation du Seigneur glorifié. Itorero umukristo akwiye kuramya Yesu muri iryo hishurirwa ryahawe Yohana. Même le soleil lorsqu'il est au zénith. Nizuba igihe ari sa sita z'amanywa a une image pâle comparée à la face du Seigneur glorifié. Na orihuriye n'ubwiza bw'umwami mu bwiza bwe. C'est ce qu'il a vu ici Jean. Nibyo yabonye hano Yohana. Sa face. Ngo mu maso he. Voyez, il décrit le Seigneur glorifié. Avuga uburyo uwo mwami w'ubwiza yari ameze. Il dit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Avuga ko mu maso he hasaga nk'izuba iyo rimurika mu mbaraga zaryo. Souligne le mot comme. Mucyo umurongo kuri iryo jambo nk'uko. Il cherche des mots humains. Ndukuvuga ngo yagerageza gushakisha amagambo ya kimuntu. Un vocabulaire à la portée de l'homme. Mumvugo ijyanye n'imyumvire y'umuntu. Pour décrire ce, le Seigneur glorifié. Kugira ngo abashe kuvuga uwo mwami wambaye ubwiza. Mais la réalité. Ariko kuri nuko. Va au-delà du vocabulaire de l'homme. Bigeze biri hirya biri kure. C'est au-delà du, c'est l'indescriptible. Nous n'avons pas de mots pour décrire la beauté de Jésus, la gloire de Jésus glorifié. Nukuvuga ngo nta magambo dufite yo kuvuga Yesu w'ubwiza Yesu wazutse. Voilà pourquoi il dit comme. Niyo mpamvu yavuze ngo nkaho nkuko. Son visage brillait comme. Ngo mu maso ye harabagirana nkuko. Lorsque le soleil brille dans sa force. Nuko izuba rijya rimurika mu bwiza bwaryo. Mais c'est comme. Ariko ngo ni nkuko. Ce n'est pas une comparaison juste. Ntabwo ari ikigereranyo gikwiye. C'est pour nous montrer que Jésus ressuscité est dans sa gloire. Nuko kugira ngo atwereke ko Yesu wazutse ari mu bwiza bwe. Et pendant que Jésus lui donne la force de se relever. Kandi uko Yesu yamuhaga izo mbaraga zo guhaguruka. Et lorsqu'il se relève. Amaze guhaguruka. Jésus se présente devant son disciple. Yesu aseruka imbere y'uwo mwigishwa we. Il commence à lui dire qui il est. Atangira kumubwira uwo ari we. Il dit ne crains point. Amubwira ngo witinya. Nous allons revenir sur ce mot clé ne crains point. Turagaruka kuri iryo jambo ridasanzwe witinya. Je suis le premier et le dernier. Nduwa mbere kandi nduwimeruka. Et le vivant. Kandi nduriho. J'étais mort. Chakora nari narapfuye. Ça veut dire il est en train de rappeler à Jean, je ne suis pas un ange qui t'apparaît, je suis le Seigneur. Yarari marasobanurira Yohana ngo ntabwo ndi marayika wakubonekeye ndi umwami. Le Seigneur. Ndi umwami. Qui est mort. Wari warapfuye. Sous tes yeux. Mu maso hawe. Parce que Jean était là à la croix. Kuko Yohana yari ahari ku musaraba. Avec les femmes qui avaient suivi Jésus. N'abariya bagore bari barakurikiye Yesu. Parmi les disciples de Jésus, Jean était le seul qui se tenait devant la croix. Mu bigishwa ba Yesu, Yohana ni we wenyine wari uhagaze imbere y'umusaraba. Les autres étaient allés se cacher. Abandi bari baragiye kwihisha. Donc il lui rappelle le souvenir. Rero yari arimo aramwibutsa. C'est moi qui étais mort à la croix. Avuga ngo ni jewe wari warapfuye ku musaraba. Mais maintenant. Ngo ariko none. Écoutez, maintenant, voici je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Il dit, j'étais mort, c'est moi Jean. C'est moi qui étais mort. Mais je suis vivant au siècle des siècles. Fantastique. Oh, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le monde a besoin de ce message aujourd'hui plus qu'hier. Parce que nous vivons la peur de la mort. Nous sommes enveloppés par l'esprit de mort. Parce que qui dit coronavirus dit la mort. Et c'est avec raison que les hommes ont peur. Et la plupart de ceux qui vivent aujourd'hui dans le monde ne croient même pas à la vie éternelle. Kandi benshi mu bantu bari muri isi uyu munsi ntabwo bizera ko hari ubugingo buhoraho.
y en a qui vivent comme si la somme de toute notre vie s'arrête ce court passage terrestre. Quelques années sur terre et on disparaît comme une fumée. On disparaît comme une vapeur. C'est ça ce que les hommes pensent. Mais ici, Jésus se révèle comme le Seigneur vivant. Oui, il est mort à la croix pour nos péchés. Oui, il a été enseveli. Il est revenu de la mort après 3 jours. Il est ressuscité des morts. Et il dit ici, je suis pas seulement revenu de la mort, mais je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Symboliquement, les clés, ça veut dire le pouvoir. Cette mort que nous craignons jusqu'au paranoïa, jusqu'à la psychose. Le monde entier aujourd'hui vit un état de psychose. Le monde aujourd'hui atteint même des proportions paranoïaques. Ici, yageze ku rwego aho iri mu cyo twakwita uburwayi bwo bwo. Parce que le coronavirus, nous le voyons dans toute chose, dans tout objet, dans chaque personne. Kuko coronavirus turi kwibona mu kintu cyose ahantu hose. Ça veut dire il y a une peur qui s'installe. Nuko ngo hari ubwoba abantu barimo. Qui prend des proportions inimaginables. Burimo burafata intera idasanzwe. Le monde a besoin de ce message. Ariko isi keneye buno butumwa. Jésus-Christ est vivant. Yesu Kristo ni muzima. Il est sorti vainqueur de la mort. Cette mort a été terrassée par le Fils de Dieu. Oh, il a détruit la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Kandi agaragaza kudapfa. Il a même dit, ne craignez point ceux qui tuent le corps. Jésus a vaincu la mort. Non pas théoriquement. Il est mort lui-même. Mais il est revenu à la vie. Et il vit au siècle des siècles. Voilà Jean, après avoir vu cette révélation du Seigneur ressuscité. Alors il a entendu une voix venant du ciel. Dans le chapitre 4. Il a dit, monte ici. Ça veut dire que Jean, tout comme tous les croyants de tout le temps, au chapitre 4, c'est l'enlèvement de l'église. Monte ici. Et je te montrerai ce qui se passera sur la terre. Après que tu sois monté. Ça veut dire que l'église est enlevée en un clin d'œil. Et les vivants qui croient en Christ seront transformés en un clin d'œil. Hanyuma abazima muri Kristo bazahindurwa. La Bible dit ils seront enlevés au ciel. Biravuga ngo bazazamurwa mu ijuru. Enlevés dans les airs à la rencontre de leur Seigneur. Bazazamuka bajya gusangarira umwami wabo. Et voilà le chapitre 4, l'église est au ciel, les saints sont au ciel. Rero ikici igice cya kane itorero riri mu ijuru. Et commence à voir le ciel. Noneho comment le ciel est? Ritangiye kubona uburyo ijuru rimeze. Ce ciel auquel nous avons tous aspirés. Iri juru twese twifuje. Ce ciel qui a été décrit de maintes et maintes façons. Iri juru ryavuzwe kenshi mu buryo butandukanye. Voilà, à l'instar de Jean, nous sommes en train maintenant de visiter le ciel. Rero nkuko Yohana yaryinjiyemo natwe turi kurisura. Ça veut dire le Jean vit anticipativement ce que des milliers de chrétiens vivront. Nokuvuga ngo Yohana yabaye mbere y'igihe ibyo abakristo bihumbi n'ibihumbi. Alors, chapitre 4, chapitre 5, l'église est au ciel. Et à partir du chapitre 6, jusqu'au chapitre 19, ce sont des événements qui se passeront sur la terre après le départ de l'église. Et c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens. Lorsqu'ils lisent les bêtes,
D'autres choses qui sont terribles. Mais au chapitre 19, alors, nous voyons aussi dans le même chapitre Jésus revenir avec les saints. Il vient maintenant dans son règne millénium sur cette terre. Le règne de Jésus sur terre. Là où la terre entière lui sera soumise. Là où Dieu accomplira les promesses qu'il a faites à David. Que sur son trône, il y aura un de ses descendants. Et son trône est un trône éternel. Et tous les prophètes ont aspiré à cette période. Parce qu'ils avaient vu un esprit. Et pendant le règne de Jésus, corporellement, le règne de Jésus sur terre, visiblement, les prophètes ont reçu cette parole que la terre entière sera remplie de la gloire de l'Éternel comme les eaux remplissent le fond de l'océan. Beaucoup de prophètes ont voulu vivre cette période. Et Dieu leur avait dit: ce n'est pas pour vous que vous avez prophétisé. Ce sont des choses qui se passeront dans les temps de la fin. Mais vous, vous vous réveillerez de ce sommeil millénaire, entre guillemets la mort physique. Vous vous tiendrez et vous recevrez votre part. Ça veut dire que vous aurez part à ce royaume glorieux. Et dans le chapitre 20, jusqu'au chapitre dernier 22, nous voyons les événements qui nous montrent pendant et après le retour de Jésus pour régner. Mais ce qui se sera après, qu'après le millénium de Jésus, il y aura le jugement dernier. Il commencera par la résurrection de tous les morts. Comprenez que même si Jésus est ressuscité, ce ne sont pas tous les morts qui sont ressuscités. Il y en a parmi les saints qui sont ressuscités avec lui, mais lui en tant que prémisse. C'est une démonstration que par lui, Dieu ramènera tous les saints. Ça veut dire à travers sa résurrection, les saints aussi ressusciteront avec lui. Ça veut dire que Jésus a été le prémisse de ceux qui resteront pour la vie. Ça veut dire qu'il a été le prémisse de la première résurrection de Jésus. Et voilà, les autres morts qui n'ont pas craint Dieu, qui ne dorment pas dans la foi et dans l'espérance, qui n'ont jamais servi Dieu, et ils sont toujours dans le séjour des morts. Jusqu'à ce que le 1000 ans finisse. Et au terme du règne du millénium, voilà, Jean voit un trône blanc. Et tous les morts reviennent à la vie. Et tous,
depuis le premier homme, se tiennent devant le trône du jugement dernier. Et tous les morts furent jugés selon ce qui était écrit dans le livre. Et ceux qui n'ont jamais été inscrits dans le livre de l'agneau, le livre de la vie, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en Jésus, Jean le voit, les anges le jetaient de feu et de soufre qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Parce qu'avant, ils étaient ils ont eu la première mort, c'est-à-dire la mort physique. La première mort, c'est la mort physique. Et la seconde mort, c'est la mort spirituelle, éternelle. L'esprit, l'âme et le corps ressuscité spirituel mais pas glorieux seront jetés dans le feu ardent de soufre et de feu. La première mort, c'est la mort de tous les hommes à cause du péché d'Adam, c'est la mort physique. Mais la seconde mort, elle est uniquement destinée à ceux qui n'ont jamais cru en Jésus-Christ. Leur nom ne figure pas dans le livre de Jésus. Leur nom était dans le livre de leurs actes. Amazina yao ari mu gitabo cy'imikorere cyangwa se cy'ibyo bakoze. Ça veut dire chaque être humain, son nom est inscrit dans un livre où on écrit tous ses actes. Nukvango buri muntu wese, le registre de toute la vie terrestre de quelqu'un. Buri muntu wese uriho hari igitabo cyandikwamo imirimo ye yose akora mu buzima ariho. Et ce jour-là, ces livres seront ouverts. Rero kuri uwo munsi ibyo bitabo bizafungurwa. Ça veut dire au jugement dernier après la démonstration de 1000 ans du règne de Jésus. Nukvango nuko munsi urubanza nyuma yuko Yesu atwara iyima imyaka igihumbi. Alors ils seront ressuscités. Rero abo bantu bose bazazuka. Depuis le premier homme. Kuva ku muntu wa mbere. Ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Abatanditswe bose mu gitabo cy'ubugingo. Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Kuko Yesu yazutse ava mu bapfuye. Il est ressuscité des morts. Yazutse ava mu bapfuye. Ça veut dire que ce ne sont pas tous les morts qui sont ressuscités. Nukuvuga ngo ntabwo ari abapfuye bose bazutse. Et les chrétiens lors de l'enlèvement. Rero n'abakristo mu gihe lors de la dernière trompette, ils ressusciteront d'entre les morts et aussi. Parce qu'il y en a qui restent dans la mort. Il y a une différence entre ressusciter d'entre les morts ou ressusciter avec tous les morts. La résurrection des morts, c'est pour le dernier événement de l'histoire de l'humanité après le règne de Jésus. Mais toutes les phases de la première résurrection des justes, toutes les phases de la première résurrection des justes. Parce que la première résurrection a différentes phases. Jésus a ouvert la première résurrection. Il est le prémisse de ceux qui dorment en Christ. Ou ceux qui dorment en Dieu. Les saints de Dieu. Et lorsque Jésus est ressuscité, pero Yesu igiye yazukaga, avec quelques saints, yazukanye nabera bake, c'était la première résurrection qui commence. Uwo wari umuzuko wa mbere utangiye. La première phase. N'icyiciro cya mbere. Mais lorsque l'enlèvement de l'église va avoir lieu, nono igiye itorero rizazamuka, ça sera la seconde phase de la première résurrection. Hazaba icyiciro cya kabiri cy'umuzuko. Et lorsque Jésus reviendra régner, tous ceux qui auront été tués par l'Antichrist, ils vont ressusciter pour la troisième phase de la première résurrection. Pour régner avec Jésus. Ils n'auraient pas assisté aux noces de l'agneau. Mais ils vont régner avec Jésus, revenant avec tous les saints.
Là, il faut le comprendre. Mais jusque-là, les morts, les autres morts sont encore dans la mort. Alors, après les 1000 ans, c'est là où le jugement dernier va arriver. Et tous les morts qui ne sont pas parmi les saints de Dieu finiront dans les temps ardents de soufre et de feu. Et ça, c'est leur destination éternelle. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 20. Depuis le verset 11 au verset 15, c'est la description de comment les morts ressusciteront pour le jugement dernier. Mais ce ne sont pas les saints. Et le chapitre 21, c'est la description de la ville sainte, la Jérusalem céleste. Je rappelle que Jérusalem céleste, c'est en même temps le nom de la ville céleste, mais aussi le nom de l'Église, l'épouse de l'agneau. Donc ça veut dire que la Jérusalem céleste est décrite dans l'Apocalypse, c'est le nom de la ville, mais c'est aussi le nom de l'épouse de l'agneau, ça veut dire l'Église. Nous pouvons dire Jérusalem yo mwizuru nizina ryo murwa ariko kandi nizina ryo mugeni nuko uvuge twebwe itorero. Et voilà Jean dans ses révélations qu'il avait reçues. Dero Yohana muri ryo yishurirwa yakirye. Au chapitre 22 qui clôt son livre. Mu gice cya 22 gisoza igitabo cye. Le chapitre 22. Igice cyaho cya 22. Alors Jésus lui donne maintenant des mots très puissants. Nono Yesu amuha magambo afite imbaraga. Qui finissent par une mise en garde. Arimo kuburirwa. Que personne n'a le droit de retrancher ou d'ajouter quoi que ce soit dans ce qu'il a montré à son serviteur Jean. Kona muntu ufite uburenganzira bwo kugira icyo akuramo cyangwa icyo yongeraho kubyo yahaye umukozi wayo Yohana. Et il dit aussi en l'occurrence des paroles pour exhorter les hommes pour qu'ils reçoivent le salut avant qu'il ne soit trop tard. Atanga kandi muguro akubantu ko bakwiye kwakira gakiza bigishoboka. Parce que le temps n'est pas élastique. Kuko igihe ntabwo kizakomeza. Il y a un terme. Gukururuka no kuvuga ngo hari impera z'ibihe. Comme Dieu le dit dans Ecclésiaste, chaque chose Dieu lui a assigné un temps précis. Alors aujourd'hui, nous sommes dans cette période de grâce où Dieu patiente encore. Donc je vous ai donné grosso modo le schéma ou le plan d'étude du livre de l'Apocalypse que plusieurs qualifient d'incompréhensible. Rero nabahaye mu magambo makeya uburyo igitabo cy'ibyahishuwe Yohana cyubatswe abantu bamwe bafata nk'igitabo kitumvikana. Nous revenons au chapitre 1. Tugarutse mu gice cya mbere cy'ibyahishuwe Yohana. Au chapitre 1 verset 19 il dit et qui donc les choses que tu as vues. Igice cya mbere umurongo wa 19 ahanditswe ngo c'est le plan d'étude du livre d'Apocalypse que Jésus donne lui-même. Donc vango Yesu yatanze le plan d'études pour comprendre le livre de l'Apocalypse. Yatanze comment on peut entrer dans ce livre? Uburyo ki ushobora kwinjira muri iki gitabo cy'ibyahishuwe Yohana? Parce que kuko si tu y entres n'importe comment, n'ukinjira muko wiboneye kose, tu peux faire dire ce qui est dans l'Apocalypse différemment de ce que Jésus a voulu dire. Ushobora kuvugisha igitabo cy'ibyahishuwe Yohana mu buryo butandukanye n'icyo Yesu yashatse kuvuga. Prendre les choses qui ne sont pas arrivées comme s'ils sont arrivées. Ugafata urugero nk'ibintu bitaraba nkaho byabaye. Ou prendre les choses qui sont comme si il faut les attendre. Cyangwa se ugafata ibihe turimo nkaho dukwiye kubitegereza. Voilà le plan est le suivant. C'est le plan en trois étapes. Uburyo iki gitabo cyinjirwamo n'ibiri mu byiciro bitatu. Écris donc les choses que tu as vues. Ngo nuko wandike ibyo ubonye. Aha, qu'est-ce qu'il voit? Ese niki yabonye? C'est le chapitre premier, il voit Jésus-Christ dans la gloire. Ni gice cya mbere yabonye Yesu Kristo mu bwiza bwe. Full stop.
Akadomo. Deuxième étape, celles qui sont. Icyakabiringo nibiriho. Qu'est-ce qu'il y a à l'époque de Jean? Ese niki cyari kiriho mu gihe cya Yohana? C'est l'époque de l'église. Ni gihe cy'itorero. C'est le temps de l'église. Nibihe by'itorero. Aussi longtemps que l'enlèvement n'est pas encore là, aussi longtemps que l'enlèvement de l'Église n'a pas encore lieu, nous sommes toujours dans les choses qui sont. Ça veut dire que les choses qui sont prennent plus de 2 millénaires maintenant. L'Église est en pèlerinage. Mais vu les signes prophétiques que nous voyons dans le monde, les temps de l'Église touchent à leur fin. Et la troisième étape du plan de Dieu pour comprendre l'Apocalypse, ce sont les choses qui doivent arriver après celles qui sont. Non, il dit que Voilà. Et celles qui doivent arriver après elles. Elles, ça veut dire celles qui sont, ça veut dire l'âge de l'Église ou les temps de l'Église. Ça veut dire, si l'enlèvement est lieu aujourd'hui, le monde va entrer dans les choses qui doivent arriver. C'est ce que nous avons décrit depuis le chapitre 6 jusqu'au chapitre 19. Ce sont les choses qui arriveront après. Sur la terre. Et après le chapitre 19, nous avons les choses qui arriveront après, mais maintenant dans les sphères célestes. Ni kuvuga ngo rero nyuma y'igice cya 19 ni ibihe nabyo bizaba hanyuma ariko mwizuru. Parce que nous avons vu le trône. Kuko twabonye blanc et le jugement dernier. Intebe yera n'urubanza. Mais chapitre 19, chapitre 20, c'est toujours les choses qui seront après l'enlèvement mais liées au millénium de Jésus. Ariko igice cya 19 n'igice cya 20 ni ibihe bizaba hanyuma ariko bijyanye no kwima kwa Yesu mu myaka 1000. Voilà, brièvement c'est ça. Rero mu magambo make ni ibyo ngibyo. Mais la conclusion est très importante. Ariko indunduro ni ingenzi cyane. Parce que le message est centré sur la situation de Jean dans l'île de Patmos et le message qu'il avait reçu. Kuko ubutumwa bushingiye ku byabaye kuri Yohana mu kirwa cy'i Patmo ndetse n'ubutumwa yakiriye. Donc nous avons vu le contexte dans lequel Jean se retrouve dans l'île de Patmos. Rero twabonye n'ibiheki Yohana yisanze mu kirwa cya Patmo. Ce n'était pas des temps qui était facile à comprendre. Et maintenant que le Seigneur se révèle à lui, dans sa gloire, comme celui qui est vivant au siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, ça veut dire qu'il y a le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Alors, il lui donne maintenant, il commence à faire défiler devant Jean tous les événements qui se suivront jusqu'à ce que Jésus revienne. Lui montrer. Jusque dans l'éternité. Où les morts sont jetés dans le feu éternel. Et les saints seront avec Dieu dans la félicité éternelle, la joie éternelle. Naho abera bakabana n'uwiteka Alors, qu'est-ce qui nous serait utile aujourd'hui dans cette situation du coronavirus? C'est les choses suivantes. Les hommes sont dans le confinement à gauche à droite. Ça veut dire que dans certains pays, il y a des quartiers entiers qui sont coupés du reste du pays. Peu
Pratiquement dans le monde, le mouvement s'est arrêté. Urebze hirya no hino kwisi ingendo zahagaze. Et comme vous le savez, l'économie est basée sur le mouvement des biens des personnes. Kandi nkuko mubizi ubukungu bushingiye ku ngendo z'abantu n'ibintu. Alors lorsque le mouvement s'arrête, rero ingendo zihagaze des hommes et des biens z'abantu n'ibintu, alors l'économie commence à vivre ce qu'on appelle le rétrécissement de l'économie. Ubukungu butangira kuba mu cyo twakwita ihungabana ry'ubukungu. Ce que les économistes appellent la récession. Ibyo abize ubukungu bita ihungabana ry'ubukungu. Ça veut dire l'économie commence à se contracter. Ni ukuvuga ngo ubukungu butangira kugenda busubira inyuma busubira hasi. Et on assiste à la crise économique, la crise financière aussi qui suit. Non, non, tu gatangira kubona ibijyanye n'ihungabana ry'ubukungu. Et la crise financière aussi. Ndetse n'ihungabana. C'est différent. Crise financière est différent de crise économique. Je ne vais pas m'y attarder. Ibyo ntabwo bitinda ariko aya magambo biratandukanye. Mais tout cela cadre avec la situation aujourd'hui causée par le coronavirus. Ariko ibyo byose bihurije hamwe n'ibyo turi kubamo muri iki gihe bijyanye na coronavirus. Et pendant que les hommes les uns les autres se posent la question, mais pourquoi ceci? Rero igihe abantu hirya no hino bari kwibaza ibibazo bavuga ngo kubera iki bingibi? Parce qu'ils ne sont plus dans leur élément naturel. Kuko nabwo bakiri mu byo bamenyereye. Ils sont complètement coincés. Nukuvuga ngo nta muti bafite ibiri kubabaho. Ça veut dire ils ne sont plus au travail, ils ne sont plus à l'école, ils ne sont plus à l'église, ils ne sont... Vous voyez? Nukuvuga ngo ntibajya ku kazi, ntibajya gusenga, ntibajya mu murimo ya buri munsi. C'est là où le message que Dieu a donné à Jean est pertinent pour nous. Aho niho ubutumwa Imana yahaye Yohana bugirira imbaraga kuri twebwe. Dieu savait que cette situation arrivera. Mais Dieu ne change pas avec la situation. Tout change, mais Dieu ne change pas. Sa parole est éternelle. Dieu a le dernier mot sur le coronavirus. Jésus nous dit ce qu'il avait dit à son bien-aimé apôtre Jean dans l'île de Patmos. Yesu aratubwira amagambo yabwiye umukundwa we Yohana mu kirwa cy'i Patmos. Souvenez-vous qu'il a trouvé dans la situation presque semblable à la nôtre. Mwibuke yamusanze mu bihe twagererana cyangwa bisa n'ibyo turimo uyu munsi. Il était confiné dans un îlot. Yari mu kirwa. Dans un îlot. Mukarwa gatoya. Dans la mer Méditerranée, une branche qui s'appelle la mer Égée. Mukarwa gatoya kinyanja Méditerranée akitwa inyanja ya Aje. Vous ne voyez pas que c'est un confinement? Il n'avait plus de contact avec les hommes. Il était en isolement. Mais la différence, c'est que ce n'était pas à cause du coronavirus. Il dit que c'était à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. C'était ça la raison de son isolement. Ce n'était pas un isolement volontaire. Et c'est là où Jésus l'a trouvé dans cet isolement. Il lui dit ce qu'il nous dit aujourd'hui. Il dit, ne crains point. Jésus te dit, enfant de Dieu, ne crains point. Jésus te dit, toi qui nous suis, ne crains point. Yesu arakubwira wowe dukurikiye witinya. Que tu sois chrétien ou non chrétien. Waba umukristo waba utari umukristo. Que tu sois croyant ou non croyant. Waba wizera waba utizera. Que tu sois animiste. Waba bariya bizera bya gakondo. Que tu sois agnostique. Waba muri bariya bari hagati y'abatizera Imana n'abakristo. Que tu sois athée. Waba muri bariya batizera Imana. Jésus te dit, ne crains point. Yesu arakubwira ngo witinya. Voici, je suis vivant. Ngo dore ndiho. Jésus est vivant. Yesu ni muzima. Il était mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Yari yarapfuye ariko ariho iteka ryose. Pour des milliards de personnes dans le monde, Jésus, c'est une personne qui a existé mais qui n'a rien à voir avec la vie d'aujourd'hui. Kuriza miliyari na za miliyari z'abantu kwisi n'abantu bavuga ko Yesu yabayeho ariko adafite ahuriye n'ibiri kubaho uyu munsi. Pour la plupart des gens, Jésus est mort.
kuri benshi mu bantu batuyisi Yesu yarapfuye. C'est un homme du passé. N'umuntu uwo mu gihe cyahise. Il est dans les oubliés de l'histoire. N'umuntu utondarwa mu gihe cyashize. C'est quelqu'un qui est mentionné dans les livres religieux. N'umuntu gusuri mu bitabo by'amadini. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui dans cette situation? Est-ce uyu munsi yatumarira iki mu bihe nk'ibi? Mais je te dis le contraire. Ariko ndakubwira ikinyuranye n'ibyo. Jésus est vivant. Yesu ni muzima. Il est vivant. Ni muzima. Il est l'alpha et l'oméga de tout. Ni alpha na omega. Il est l'alpha et l'oméga du plan de Dieu pour toi. Ni alpha na omega umugambi w'Imana kuri wowe. Il est le premier et le dernier. Niwe ntangiriro kandi niwe mperuka. Hallelujah. Hallelujah. Il est le premier et le dernier. Niwe wa mbere kandi niwe w'imperuka. Il est vivant. Ni muzima. Et il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Kandi afite ifunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Il est plus puissant que le coronavirus. Afite imbaraga kurusha coronavirus. Il peut te protéger. Ashobora kukurinda. Et il peut même te guérir. Kandi ashobora no kugukiza. Jésus est vivant. Yesu ni muzima. Ne te laisse pas engloutir par la psychose. Ntuzemererwe ko umirwa n'ubwoba. Ne te laisse pas envahir par le paranoïa. Ntuzemererwe ko ubwoba bugutwara. Garde ta tête froide. Guma utekereza neza. La lutte contre le coronavirus est fait rage dans le monde. Nubwo intambara na coronavirus irimo iramara benshi. Je salue les chercheurs. Rero ndashima abashakashatsi. Je salue les hommes politiques. Ndashimira abanyapolitike. Je salue tous les hommes aux différents postes de responsabilité dans le monde. Ndashimira abantu bafite inshingano zitandukanye z'ubuyobozi mwisi. Qui se donnent corps et âme pour sauver les hommes de ce fléau mortel. Batanga imbaraga zabo zose kugira ngo barandure kino cyorezo kwisi. J'ai même suivi dans certains pays, même les médecins contaminent le coronavirus en voulant sauver les patients. Numvise ko no mu bihugu bimwe na bimwe abaganga nabo banduye coronavirus bagerageza gukiza bamwe mu barwayi. Ça ce sont des actes de bravoure. Ibyo ni ibikorwa by'ubutware. Ça c'est des actes qu'il faut saluer. Ibyo ni ibintu bikwiye gushimwa rwose. Des actes d'altruisme. Ni ibintu byo altruisme veut dire tu n'as pas d'autre intérêt que de poser des actes nobles. Ni ibintu byo kutirebaho udashingiye ku nyungu zawe wenyine ahubwo ukareba n'icyagirira umumaro abandi. La lutte continue. Rero intambara irakomeje. Rien n'est pas encore gagné. Nta kintu twavuga ko twabonye mitsinzi. Je peux dire les mots que Samora Machel, le leader qui a combattu pour l'indépendance de son pays, Mozambique, a dit le slogan qu'il avait avec, avec les autres Mozambiques qui étaient avec lui dans la lutte pour l'indépendance. Qui est devenu leur slogan. Ayo magambo yahindutse imvugo yabo yo guharanira ubwigenge muri Mozambique. Contre le colonisateur portugais. Igihe bari munsi y'abampatsi bihugu b'abanyaportugal. Il a dit ceci en portugais parce que le pays était une colonie portugaise. Yavuze ano magambo mu kinya portugal kuko icyo gihugu cye cyari munsi gitugu cya portugal. En face des défaites, des attaques, de certaines pertes humaines, etc. Imbere y'intambara bari barimo ndetse no gutakaza abantu bari barimo n'ibindi n'ibindi. Au lieu de se décourager, il disait. Aho gucika intege yaravuze ngo. Il disait et lutta continua. Yaravuze ngo et lutta continua. Ça veut dire en français la lutte continue. Ni ukuvuga ngo intambara irakomeje. En anglais, ça veut dire the struggle continues. Intambara irakomeje. Eluta continua. Eluta continua. Victoria et certa. Victoria et certa. Ça veut dire la lutte continue, la victoire est certaine. Kuvuga ngo intambara irakomeje ariko intsinzi irizewe. C'est ce qui les motive. Nibyo byabateraga ishaka. C'est ce qui les motive. Nibyo byabateraga imbaraga. The struggle continues. Ngwintambara irakomeje. And the victory is certain. Ariko intsinzi irizewe. Et moi je dis et lutta continua. Nanje navuze ngo et lutta continua. Against the coronavirus. Turwanya coronavirus. Et lutta continua. Et lutta continua. Victoria et certa. Victoria et certa. Je vous dis. Ndababwiye ngo. Il y aura un avant et un après coronavirus. Hazaba ibihe bya mbere n'ibihe bya nyuma ya coronavirus. Je donnerai aux hommes
la victoire. Imana izahabana intsinzi. Coronavirus sera dépassé. Coronavirus izafatwa mu mateka. Jésus est vivant. Yesu ni muzima. Il était mort. Yari yarapfuye. Mais il s'est révélé vivant. Ariko yihishu yari muzima. Et il dit vivant au siècle des siècles. Kandi yavuze ngo ndiho iteka ryose. Il tient les clés de la mort. Afite imfunguzo z'urupfu. Et il tient aussi les clés du séjour des morts. Kandi afite imfunguzo z'ikuzimu. Ce n'est pas le temps de la psychose. Ntabwo ari gihe cyo gufatwa n'ubwoba. Ce n'est pas le temps de paranoïa. Ntabwo ari gihe cyo gufatwa n'ubwoba bukomeye. C'est le temps de relever la tête. Ni gihe cyo guhagarara tukema. Et de regarder le Seigneur ressuscité. Tukareba umwami wazutse. Et de voir coronavirus sous ses pieds. Tukabona coronavirus iri munsi birenge bye. Il est vainqueur. Niwe wanesheje. Il a vaincu. Yaranesheje. Il est en train de vaincre. Kandi aracyanesha. Et il vaincra. Kandi azanesha iteka ryose. Peuple de Dieu. Bwoko bw'Imana. C'est pas le temps. Ntabwo ari gihe. De perdre toute espérance. Cyo gutakaza ibyiringiro byose. Il faut être patient dans la foi. Ukwiye kwihangana mu kwizera. Il faut être patient dans la foi. Ukwiye kwihangana mu kwizera. Parce que ton Seigneur est vivant. Kuko umwami wawe ni muzima. Il s'est montré à Jean. Yigaragaje yihishuriye Yohana. Dans son isolement dans l'île de Patmos. Igihe yarari mu kato mu kirwa cy'i Patmos. Alors il se révèle à toi aujourd'hui. Nawe arakwihishurira uyu munsi. Là où tu es confiné. Aho uri mu kato. Dans ton isolement. Aho ngaho wigunze uri wenyine. Il est là le Jésus. Arahari Yesu. Il est là pour toi. Arahari ku bwawe. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tu vois sa gloire. Que tu vois sa puissance. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Comme Paul le disait aux Philippiens. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Même le coronavirus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tu vois Jésus glorifié. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Pour que tu entendes sa voix qui te dit: mon enfant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort à la croix de Golgotha. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Coronavirus sera vaincu. Un jour, nous brandirons la bannière de la victoire de Jésus. Mais par la foi déjà, élevons la bannière sur laquelle est écrite. Sur laquelle est écrite. Ces paroles que nous venons de lire. C'est le moment de lever la bannière à l'honneur de Jésus. En face de ce fléau. Le coronavirus. Et que sur cette bannière. Tu vois les paroles écrites. Qui sont écrites dans l'Apocalypse 1, verset 17-18. Ces paroles de victoire. Paroles d'espérance. C'est le moment de relever la tête. Banni de ton cœur la tristesse. Le découragement. La peur. La peur d'une mort qui te semble proche. C'est le moment de bannir de ton cœur la crainte. À la place de la crainte. Qu'il y ait la confiance. L'assurance. Dans le Seigneur et dans sa parole. À l'endroit de la psychose. Qu'il y ait un cri. Monte de toi. Habe kwizera kuzamuka muri wowe. Qui dit le lion de la tribu de Juda a vaincu. Kuvuga ngo intare mu muryango wa Yuda yaranesheshe. Et c'est le seul endroit de la Bible. Niho hantu honyine muri Bibiliya. Où Jésus est révélé comme le lion de la tribu de Juda. Aho Yesu ahishurwa nk'intare mu muryango wa Yuda. C'est dans ce livre de l'Apocalypse. Muri iki gitabo cy'ibyashyiwe Yohana. C'est dans le chapitre 5. Ni mu cyica cyaho cya gatanu. Dans l'Ancien Testament. Mu isezerano rya kera. Dans les prophéties de Moïse sur les tribus d'Israël et les prophéties de Jacob le patriarche sur ses 12 enfants. Ubuhanuzi bwa Mose ndetse na sogokuruza Yakobo ku bana be 12.
Quand ils sont arrivés sur la tribu de Juda, ils comparaient toujours Juda comme un lion. Mais l'esprit voyait que c'est dans Juda que sortira le Messie, loin de l'Éternel. Prophétiquement, dans le livre de la Genèse, Jacob voyait dans Juda un lion. Et lorsque Moïse dans Deutéronome, il a vu dans Juda un lion. Et voilà, le lion était attendu de Juda. Alors dans l'Apocalypse, Jésus révèle à Jean que c'est lui le lion de la tribu de Juda. Et aujourd'hui, le lion se lève en toi pour terrasser la peur, pour terrasser la psychose, toutes sortes de paranoïa. Le lion de Juda se lève dans les nations pour parler contre le coronavirus. Et quand le lion rugit, qu'est-ce tu ne peux pas trembler. Quand le lion rugit, toutes les bêtes de la forêt s'enfuient au cri du lion. Alors Jésus rugit contre la peur, contre la maladie, contre le virus du coronavirus, contre toutes sortes de paranoïa. Il a vaincu. C'est Jésus le lion de la tribu. Laissons Jésus rugir pour que nous entrions dans cette confiance du lendemain. Inclinons nos têtes pour prier. Seigneur Jésus, tu dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Que cette parole me libère de toutes tes peurs, toutes tes psychoses, toutes sortes de paranoïa qui gagnent les nations les unes après les autres. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu étais mort, mais tu es vivant. C'est toi qui as la clé de la mort. Et les clés du siège des morts. Amène ta victoire en moi. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu lui dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Viens Seigneur, viens me laver de tout péché, donne-moi le pardon du péché, donne-moi ta grâce, donne-moi Seigneur la vie éternelle. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci Seigneur, parce que tu es miséricordieux. Tu pardonnes mes péchés et tu guéris mes maladies. Je reçois ton salut. Je suis sauvé maintenant parce qu'il est écrit dans ta parole. Si tu crois de ton cœur, tu dis croire que Jésus est Seigneur, et que si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois avec mon cœur que tu es Seigneur. Et je crois que Dieu t'a ressuscité entre les morts. Je reçois ton pardon et ton salut. Je confesse que je deviens enfant de Dieu. Comme il est écrit, tu es venu chez les tiens et les tiens ne t'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de l'homme ni de la chair, mais ils sont nés, Seigneur, de l'esprit et de la parole. Je reçois ma
maintenant le statut d'enfant de Dieu. Je suis reçu dans ta famille. Et tu veilles sur moi. Ta main sera toujours sur moi. Merci pour ton salut. Et maintenant, je prie pour ceux qui sont déjà convertis, qui ont le salut en Christ. Tu es enfant de Dieu. Mais toi aussi, tu es ballotté par la peur de ce qui arrive dans le monde. Je ne te condamne pas. Ça fait partie de notre nature humaine. Face à des situations comme la nôtre, c'est normal que l'homme ait peur. Mais je te dis aujourd'hui que ce message d'aujourd'hui que tu as suivi, je le pense, te donne la force de remonter la pente, de redevenir un enfant de Dieu confiant dans le Seigneur. Que la foi renaisse en toi. Que ton cœur soit rempli de l'espérance en Christ. Et que tu reçoives encore une fois la force de témoigner à ton entourage. Pour ceux qui sont avec toi, ou si tu es en isolement, mais que tu commences à prier pour les autres. Ou si tu as les possibilités d'être sur le réseau, les réseaux sociaux, que tu commences aussi à envoyer ce message aux autres. Parce que le monde a besoin des paroles de réconfort, des consolations. Merci Seigneur Jésus pour ce moment merveilleux, pour cette opportunité de parler encore de ta part. Que toute la gloire te revienne. Que la gloire soit pour Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.